Bonjour à tous, qu'est-ce qu'on est de bonne humeur, nous, aujourd'hui, sur un sujet que vous nous avez demandé, que vous avez, qui était assez attendu, qui est booster ses ventes grâce à l'investissement locatif, se loger et Beanstock. Écoutez, tout le monde est quasiment arrivé, donc on va pouvoir démarrer sur ce grand sujet, avec bien sûr, comme à chaque web conférence, pour nous accompagner, un expert, en l'occurrence ici, Antoine Elias, qui est à mes côtés. Qui va peut-être se présenter, nous dire bonjour et nous dire ce qu'il fait dans la vie, Antoine, sur ce sujet-là. Salut Alain, salut tout le monde, quel plaisir de tous et toutes vous voir. Il y a beaucoup, beaucoup de participants, c'est vraiment sympa de voir un engouement autour de ce sujet-là. Merci déjà de me recevoir sur la conférence. Effectivement, on va parler d'investissement immobilier locatif. Chez Beanstock, moi de mon côté, je m'occupe du sourcing de projets, donc la détection finalement des meilleures opportunités d'investissement pour nos clients. Et l'idée, je pense ensemble Alain, ça va être de débroussailler le sujet. Exactement. Surtout que c'est un sujet dont on entend. Alors évidemment, cette web conférence abritée, pardon, par Aviv Group, que vous nous connaissez avec notre 1 million de visites par jour, avec nos deux grandes marques en France, Se Loger, qui accompagne les Français depuis 30 ans, et puis meilleursagents.com. Et vous savez qu'on est leader de l'immobilier digital et de la data en France et en Europe. Au-delà de ça, donc, quatre points importants sur un sujet dont tout le monde parle. Mais parfois d'ailleurs avec des interprétations différentes. Donc, on attend aussi beaucoup d'Antoine de nous expliquer, Antoine, c'est quoi un bon investissement locatif, comment ça marche. Mais on a besoin vraiment de ressortir de cette web conférence avec toujours que vous repartiez avec un maximum de valeur et au moins que nous tenions la promesse qu'on vous a faite le long de nos communications, c'est-à-dire comment avoir des acquéreurs que vous n'aviez pas jusque-là et comment déstocker différemment et avoir une vision différente de votre stock mandat. Voilà au moins les deux choses importantes qu'on aimerait voir aujourd'hui avec c'est quoi un bon investissement locatif. Si on repart avec ça, si vous repartez armé de tout ça, puisque dans l'audience, on voit qu'il y a des gens très aguerris, là je vois des agences Erard Argenteuil, je vois Eric Adumo de Vivre Océan Bleu, je vois Nathalie, je vois Christelle. D'ailleurs, au fur et à mesure de la webconférence, n'hésitez pas pour voir si vous nous entendez bien à nous encourager avec des bons emojis. Et en tout cas, les quatre parties, on démarre tout de suite. La première partie, on aura besoin de l'éclairage d'Antoine sur le contexte marché, mais avec cet angle investissement locatif immobilier, en quoi c'est une clé pour booster ses ventes. On regardera bien sûr en deux les opportunités d'investissement locatif, comment les exploiter avec Beanstock, et puis des témoignages sur des réalisations concrètes, évidemment. Sur le contexte marché où Antoine va pouvoir nous éclairer de là où il parle, lui, c'est-à-dire investissement locatif. On se rappelle quand même que dans cette transition de marché, là, depuis ce premier trimestre 2024, on pourrait se dire, tiens, à nouveau les clignotants ou beaucoup d'indicateurs sont au vert. On le voit dans l'assouplissement, en tout cas, ou des conditions d'octroi de crédit. On le voit dans la baisse relative des taux d'emprunt. On le voit dans des apports qui ont besoin d'être un peu moins importants. Et on le voit aussi, on verra ça d'ailleurs, dans l'assouplissement du DPE pour une certaine catégorie de biens. Et on verra si vous avez la classe qui va bien. Antoine, est-ce que tu peux nous éclairer de ton regard à toi sur ce marché de l'investissement locatif, avec ton œil, ton angle ou votre angle à vous en tout cas? Carrément, merci Alain pour cette belle intro. On aura même en plus, je pense, une ou deux surprises avec une ou deux démos en fonction du temps qui vous plairont à tous parce qu'on arrivera dans des choses très concrètes. Mais du coup, pour commencer, plantons le décor. Le décor, il est très simple. Vous le voyez là sur cette slide qui représente finalement depuis les 8 dernières années. Le nombre de transactions dans l'immobilier ancien, je précise, et en proportion, le nombre de transactions liées à l'investissement immobilier locatif. Donc, ce qu'on voit, c'est que on a atteint un pic en 2021, que ce soit en termes de marché, mais aussi en termes d'investissement immobilier locatif, avec à peu près un tiers des transactions dans l'immobilier qui étaient liées à l'investissement immobilier locatif. Et aujourd'hui, on arrive à se stabiliser autour de 25%. Donc, en fait, comment on interprète ces chiffres? Qu'est-ce qui a attiré
de ce tableau-là, c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous êtes professionnel de l'immobilier, si vous réalisez 25% ou moins de transactions liées à de l'investissement immobilier locatif, quelque part, on peut dire que vous passez à côté de votre marché au niveau de la transaction. Et du coup, il y a forcément un travail à faire pour aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire. Et de l'autre côté, si vous réalisez déjà ces 25%, si déjà une transaction sur quatre, voire plus au sein de votre agence est liée à un bien d'investissement immobilier locatif, c'est que vous avez sûrement énormément de choses à optimiser, énormément de temps à gagner pour pouvoir réaliser encore plus de transactions. Et donc, avant d'aller voir toutes ces opportunités-là, on va aussi, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas, qui sont novices, se poser la question tout simplement déjà, en fait, c'est quoi l'investissement immobilier locatif? C'est très simple, ça consiste en l'achat d'un bien immobilier pour le louer. Donc, le concept, tout le monde le comprend. Autour de ça, il y a tout un écosystème beaucoup plus complexe, parfois nébuleux. Donc là, je vous ai mis au cas par cas quelques mots, quelques thématiques qui sont liées de près ou de loin à l'investissement immobilier locatif. Donc typiquement, si on prend les typologies d'investissement, aujourd'hui, quand vous vous posez la question d'investir, vous pouvez investir dans le neuf, vous pouvez investir dans l'ancien via du Pinel, de la location longue durée, courte durée. Vous pouvez également aussi faire de la location mixte. Potentiellement, vous allez pouvoir coupler ces typologies avec différentes stratégies, que ce soit des stratégies plutôt patrimoniales, plutôt dynamiques, à mi-chemin entre les deux. Bref, vous l'avez compris, tous ces sujets-là, quand on va les mixer, si on va même pouvoir rapporter ça aux différentes situations d'un investisseur, qu'il investisse seul, en couple, en société, en nom propre, etc., etc., il y a une multitude d'investissements possibles. Donc, tu demandais tout à l'heure, Alain, c'est quoi un bon investissement? En fait, il n'y a pas une bonne réponse à cette question. Demain, si vous demandez autour de vous à des personnes qui ont investi, vous verrez qu'ils ont tous des projets qui sont différents. Et au final, chaque personne sera elle-même convaincue d'avoir réalisé le meilleur investissement possible. Alors finalement, le plus important, c'est tout simplement de bien comprendre toutes ces thématiques, tout cet écosystème pour pouvoir s'adapter, guider chacun de ses interlocuteurs et l'amener vers l'investissement qui lui convient. Alors, on va y aller pas à pas parce que, mine de rien, en plantant le décor sur Kezako, l'investissement locatif, on est sur plein de notions importantes. Donc, on va y aller pas à pas et vous allez voir qu'à la fin, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, même si ça peut paraître très complexe au départ et chronophage. Mais on vous a dit au fur et à mesure de cette année 2024-2025 sur chacune de nos webconférences, c'est le bon moment d'anticipation et de monter son niveau de jeu et de commencer à acquérir, pour ceux qui ne l'ont pas, une corde supplémentaire à leur arc d'experts en investissement locatif ou en immobilier locatif. Ce qu'on est en train de faire là, en tout cas dans ces balbutiements, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va s'éclairer pour ceux qui démarrent sur ce nouveau levier, si c'est un nouveau levier pour vous. Antoine ? Exactement, exactement. Et d'ailleurs, cet écosystème, comme on l'a décrit, est tellement nébuleux aujourd'hui pour le commun des mortels, on va dire, que ça se matérialise par ces chiffres-là. Donc, probablement que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce cas-là ou même quelqu'un dans votre entourage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 70% des Français qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif, mais qu'il n'y a seulement que 10% d'entre eux qui vont se lancer. D'accord ? Donc, très probablement, comme je le disais, vous, dans votre entourage, surtout quand vous êtes issu du monde de l'immobilier, vous avez eu des personnes qui sont venues vous voir, qui vous ont parlé, qui vous ont dit « j'ai envie d'investir ». J'ai envie de me lancer dans un projet. Ils vous en ont parlé peut-être pendant deux semaines, pendant des mois, pendant des années, et ils ne l'ont jamais fait. D'accord ? Et en fait, ces personnes ne le font pas pour les raisons qu'on a évoquées, par manque de connaissances, d'expertise, parfois aussi par manque de temps, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont complexifiées ces dernières années autour de l'investissement immobilier locatif. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Dans la prochaine section de cette conférence, c'est-à-dire quelles sont finalement les frictions potentielles, c'est-à-dire ce qui peut freiner à l'investissement en tant qu'acquéreur, mais aussi
parfois en tant que professionnel de l'immobilier pour bien accompagner un acquéreur. Et comment est-ce qu'on va pouvoir finalement résoudre aussi ces frictions-là? C'est bien ça, Alain? Oui, c'est ça, exactement. On est sur les opportunités de l'investissement locatif. En effet, tous les jours, pas plus tard que ce matin, je ne dirais pas qui, dans l'entreprise, était sur l'hésitation d'un investissement. Il ne l'a pas fait sur une très, très, très bonne rentabilité à 15 000 euros près parce qu'il n'avait pas le champ complet des compétences, entre guillemets, pour savoir jusqu'où il pouvait aller et quel était le bon rendement, entre guillemets. Donc oui, à toi de nous éclairer, notamment sur cette législation qui est assez nébuleuse ou anxiogène pour certains. Comment on peut la simplifier? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce qu'en effet, ça fait partie des freins. Alors, on ne parle pas pour vous, investisseurs, mais évidemment que vous devez être les premiers investisseurs, mais pour vos clients, en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui pourraient être anxiogènes. Comment on peut répondre à ça et avoir un panorama global des éventuels freins, en tout cas, à ces investissements locatifs, Antoine? C'est clair. Tu m'as devancé avant de parler de rendement et d'indicateurs financiers. On va parler effectivement de la législation de ces dernières années. Donc là, vous voyez sur une frise relativement simplifiée l'évolution des différentes législations qui peuvent avoir un impact de près ou de loin sur l'investissement immobilier locatif précisément. D'accord. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un point de départ en 2014, évidemment, avec la loi Allure qui, elle, a eu un impact sur l'ensemble du monde de l'immobilier et de la transaction. En fait, l'impact, c'est quoi finalement d'une telle loi? C'est toute la partie administrative, toute la partie jargon qui peut parfois faire peur, parfois rebuter certains acquéreurs quand c'est mal expliqué, quand ils connaissent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous les documents qui sont demandés dans l'ensemble de la loi Allure aujourd'hui, ça représente entre 400 et 700 pages en fonction des dossiers à regarder, à analyser avec tout le stress qui en retourne. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon premier investissement, la veille de mon compromis, j'avais tellement peur que j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose entre les PV, le projet de compromis, tous les documents qu'il y avait à lire. Donc, c'est énormément de stress pour un investisseur qui est tout seul de son côté. À part ça, il y a eu encore d'autres lois qui sont venues apporter ce qu'on a nommé la friction. Donc, en fait, ce qui vient finalement retenir des acquéreurs de passer à l'action. Il y a la loi Elan avec le plafonnement des loyers. Donc, ça, c'est quand même fou. Le nombre de villes concernées a été multiplié par 3 en 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de villes qui sont concernées par le plafonnement des loyers et qui vient en fait apporter une législation supplémentaire qui, si on l'ignore, on peut parfois ne pas la respecter, être en dehors des clous ou voire même ça peut venir limiter aussi le potentiel de rendement d'un investissement. Donc là, vous le voyez, il y a quelques exemples de villes en dessous qui sont concernées. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est que toutes les grandes villes vont finir par y passer. Il n'y a pas longtemps, Marseille a dit qu'elle y viendrait. Donc là, on est par exemple en attente des seuils qui seront mis. Mais il y a aussi d'autres villes, toutes les grandes villes finalement de plus de 150 000 habitants finiront par y arriver. On a un autre exemple, la loi climat, sur laquelle on va reparler juste après en faisant un zoom dessus, qui est une loi très complexe dans le sens où ça change beaucoup. Donc depuis qu'elle a été mise en vigueur en 2021, il y a eu des façons de calculer les notes, les classes, comme disait Alain, qui ont changé. Il y a eu les seuils également qui ont changé. Bref, on va en parler un peu après. Mais on a aussi la hausse des taux et la loi pouvoir d'achat en 2022. Donc la loi pouvoir d'achat qui est venue actualiser la loi Elan en mettant des contraintes supplémentaires sur les compléments de loyer. Pareil, toujours un peu flou en parlant de vis-à-vis, en parlant de vue sur un monument historique. Donc tout ça, c'est des choses qui sont complexes à trouver en termes d'informations sur lesquelles il faut être bien accompagné parce que ça peut avoir des conséquences qui sont importantes, que ce soit des grosses amendes, des baisses aussi en termes de rendement, etc. Juste un point, à chaque fois qu'il y a des frictions ou des choses qui sont complexes,
Il faut bien se dire que le pendant, c'est que c'est aussi des opportunités. D'accord. Si on a les bons accompagnateurs, les bonnes informations, si on se donne la peine d'eux, et vous devez d'accompagner vos clients, notamment si on prend la loi climat et résilience et la vente des DPE, enfin des passoires thermiques, en tout cas toute la législation autour, où on sait qu'il y a entre environ 17% de passoires thermiques en France, que la différence de prix entre un D et un G doit être aux alentours de 20%. Il y a des enjeux énormes si vous les maîtrisez. C'est celui qui aura la connaissance à un moment donné, qui se sera donné les moyens de maîtriser ça, qui va pouvoir accompagner ses clients, sortir du lot, rentrer, comme le disait Antoine, dans ces fameux 20% minimum de ventes qui doivent être faites à des investisseurs locatifs, donc en complément de ce que vous faites déjà. Voilà, il y a tout ça. Friction égale aussi opportunité. Et on pourrait rentrer dans, bon, alors maintenant, quand mon client ou moi-même, je me pose la question de qu'est-ce qu'un bon investissement locatif ou qu'est-ce qu'un taux de rentabilité? On entend tellement de choses, Antoine. Est-ce que tu pourrais nous donner la bonne version, entre guillemets, pour qu'on s'entende sur ce qui serait un bon investissement locatif? En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire un taux de rendement? Ou parfois, on entend des choses comme ça. Est-ce que tu peux bien nous expliquer ça? Bien sûr. Alors, du coup, pour parler de ce qu'est un bon investissement, il y a un indicateur qui est que vous connaissez, je pense, tous, mais qui est parfois mal utilisé, dans le sens où chacun a un peu sa définition de ce qu'est un rendement, de ce qu'est une rentabilité. Là, on vous a mis les trois niveaux en fait de rentabilité qui existent en réalité. Donc, le premier étant le niveau de rendement brut, celui qu'on a en général l'habitude d'utiliser en tant que professionnel de l'immobilier, mais qui est aussi le moins précis. Et petit à petit, on vous a décomposé étape par étape, donc le rendement net, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le rendement net-net, voire le rendement réel. Ce rendement-là, on vous l'a mis parce qu'un investisseur aguerri, quelqu'un qui investit par lui-même, il fait ce calcul-là quand il va aller sur une annonce immobilière pour prendre sa décision d'achat. Donc c'est très important en fait quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un de comprendre comment est-ce qu'il va réfléchir pour prendre sa décision. Eh bien en fait n'importe quel investisseur aguerri va passer par ce calcul-là. Si je devais vous illustrer très rapidement c'est quoi un rendement locatif. Demain, parce qu'on parle de pourcentage, donc de 3%, 4%, 5%, ça c'est mon rendement. Donc demain, admettons, vous avez 4% de rendement sur votre projet, ça signifie que en fait, votre locataire va vous rembourser le montant que vous avez investi dans votre projet, 4%, à hauteur de 4% chaque année. D'accord? Donc en d'autres termes, ça veut dire que en 25 ans, votre locataire vous aura remboursé. Donc là, si vous comprenez la gymnastique et là où je veux en venir, elle est assez simple. Demain, quand vous empruntez à la banque pour 20 ans, pendant 20 ans, eh ben, vous voyez assez facilement que quand vous avez un rendement à hauteur de 4%, eh bien, vous allez vous faire rembourser moins vite par votre locataire que ce que vous allez vous-même rembourser à la banque. Et donc, tous les mois, il va y avoir un décalage de trésorerie, c'est ce qu'on appelle l'effort d'épargne, qui est parfois difficile à faire comprendre à des clients acquéreurs, mais qu'on va venir tout simplement valoriser par un autre indicateur plus méconnu. Est-ce que, Alain, tu sais de quel indicateur je parle? C'est encore quelque chose que tu vas simplifier à un moment donné qui doit s'appeler le RCI, mais en tout cas, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en dehors de ces indicateurs-là financiers qui sont parfois méconnus ou approximativement expliqués, ce qui n'était pas le cas ici, c'était très clair, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui permettent de prendre sa décision quand on fait un investissement, quoi, en C'est fait? ça. En fait, les trois indicateurs principaux, je les ai mentionnés. On a le rendement qui correspond, donc c'est ce qu'on se disait, à la part que va rembourser le locataire chaque année sur le montant investi. On a également ce qu'on appelle l'effort d'épargne. Donc l'effort d'épargne, lui, ne présage pas de la qualité de l'investissement. C'est-à-dire, il ne présage pas de est-ce que c'est un bon ou un mauvais investissement. Mais pour un investisseur, ça va être très important pour pouvoir se projeter en termes de pouvoir d'achat sur la faisabilité
d'un investissement. Donc, typiquement, quand on va avoir un effort d'épargne qui va être de 500 euros par mois, si l'acquéreur n'a pas une capacité d'épargne qui est déjà de 500 euros par mois, ça va être pour lui très, très compliqué de se projeter sur un investissement comme celui-là, même si c'est un très bon investissement. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le RCI. Donc, le RCI, c'est finalement ce qui va venir valoriser l'effort d'épargne. Donc, on le voit ici. Donc, admettons, tous les mois, par exemple, vous avez un effort d'épargne de 250 euros, d'accord? Eh bien, le taux de croissance de cette épargne-là, elle va être représentée par le RCI et donc le pourcentage qu'on va venir ici, voir ici. Ce pourcentage-là, c'est celui qu'on va comparer en fait à la performance de des autres supports de placement d'épargne de l'acquéreur. Donc typiquement, vous le voyez, on vous a écrit si le livret A il est à 3%, par exemple, si la performance du CAC 40 il a été à 7% sur les 40 dernières années, et là on va pouvoir comparer finalement le fait de placer son épargne sur un support immobilier via le RCI à d'autres supports d'investissement et grâce à ça venir optimiser l'épargne d'un acquéreur pour faire en sorte que l'investissement immobilier soit vraiment perçu comme quelque chose de très intéressant. Antoine, on a cranté d'un seul coup là. Je vois des fois dans les petites questions et tout ça. Donc, c'est encore une fois passionnant. Un, vous aurez cette présentation écrite. Deux, ça va s'éclairer ce que Antoine est en train d'expliquer là et que vous avez à l'écran, qu'il faut des fois parfois reprendre en deux fois pour certains, ce qui est normal. Moi, ça a été quatre fois pour bien comprendre. Mais on va les comprendre avec des exemples à la suite de ça. Et puis, on prendra aussi vos questions à la fin. Néanmoins, mettez des petits emojis pour nous encourager là, si on va dans le bon sens de ce que vous attendiez. Et pour Brice Benet, que je vois à l'écran, qui est certainement dans la région de Montpellier, il nous demande, la réponse est rapide, donc on va la prendre tout de suite, avant de rentrer dans des exemples concrets. C'est quelle rentabilité conseillez-vous d'afficher sur les annonces quand je publie? Est-ce que j'inclus les frais de notaire et d'agence pour indiquer une renta brute sur l'annonce? Est-ce qu'on peut faire une réponse courte à Brice, qui est pourtant très expérimenté? Je suis presque étonné de cette question, mais en tout cas, elle est très intéressante, cher Brice. Elle est très intéressante. Merci, Brice, pour la question. Pour te répondre, moi, ce que je préconise, c'est de plutôt afficher donc ce qu'on a, nous, nommé ici la rentabilité nette. Pourquoi pas la nette-nette ou pas la brute? C'est tout simplement parce que la nette, c'est celle qui correspond et qui va afficher en fait le résultat de l'ensemble des critères objectifs. Donc, ce qu'on appelle objectif, ce sont l'ensemble des critères qui sont connus à l'avance et qui vont pas dépendre ni de la situation de l'investisseur, ni des potentielles décisions que pourront prendre l'investisseur tout au long de son investissement. Donc, je vais donner des exemples. Par exemple, ce qui va être imprévu, ça peut être potentiellement les différents travaux, comme vous le voyez dans le détail de la formule entre différents locataires. Ça va être éventuellement une vacance locative qui va dépendre aussi de la localisation de l'investissement. On va pas avoir la même vacance locative si on investit à Paris que si on investit, je dis n'importe quoi, dans la deuxième banlieue du Mans, par exemple. Et j'adore le Mans. Mais c'est pour vous illustrer ça. Par exemple, on parlait aussi de situation de l'investisseur. Un investisseur qui a 65 ans et qui est fumeur, il va pas avoir la même assurance emprunteur qu'un investisseur qui a 25 ans. Donc voilà, et en fait, il y a plein d'exemples comme ça. C'est pour ça, ce que je préconise, c'est plutôt d'utiliser la rentabilité nette parce que tout ça, c'est des éléments en tant que professionnel de l'immobilier. Soit vous les avez à disposition au moment où vous créez l'annonce, soit vous pouvez les estimer assez facilement. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un étalonnage commun avec d'autres secteurs de la ville où vous travaillez, d'autres villes du secteur aussi où vous travaillez. Et donc, ça va vous permettre tout simplement d'être beaucoup plus précis dans ce que vous dites par rapport à vos investisseurs. Donc, ça, c'était la réponse courte, hein. C'est ça. Ça, c'était super. Donc, je vais faire attention maintenant. Enfin, en tout cas, oui, c'est passionnant et en effet, c'est complexe. Donc, ça mérite à chaque fois un peu plus d'explications. Donc, merci Antoine. Dans ces indicateurs-là qu'on a vu, qu'on va regarder, plus méconnus, hein, et qu'on va regarder avec des exemples, ça va paraître plus clair. Pourquoi on a annoncé
que cette vente non intermédiée, en tout cas ces 20% là que les agents immo n'ont pas, est sous-exploitée. Ouais. Antoine. Alors, peut-être avant de... Oui. Je pensais faire une démo. Ah oui, non, montrer, non, absolument. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs. De façon concrète, sur Beanstalk, finalement, comment ça se matérialise en termes de décision d'achat pour l'acquéreur? Parce que ce qu'on s'est dit, ok, c'est bien beau, on a parlé de RCI et tout ça. Moi, j'y connais rien à l'investissement. Comment je retrouve finalement ces chiffres-là? Comment je prends ma décision? Eh bien, il y a des outils aujourd'hui qui existent, notamment la plateforme Beanstalk, qui vient vulgariser tout ça pour les investisseurs. Donc, comment ça se matérialise? Là, je vous ai très brièvement amené sur en fait ce qu'on appelle notre listing page, c'est-à-dire la page où tous les projets sont listés. On va rentrer dans un projet au hasard. Bah là, sous mon curseur, j'ai Lille. Donc, si je rentre sur le projet de Lille, je vais vous amener sur comment l'acquéreur va se projeter, d'une part en termes de décision d'achat, mais aussi d'autre part, demain, si on travaillait ensemble, comment est-ce qu'on pourrait valoriser vos mandats sur la plateforme Beanstalk. Donc, très brièvement, ici, vous voyez, on a la carte, on a des éléments visuels avec des photos, vidéos, visites virtuelles, et vous avez ici, sur cette partie-là, les indicateurs financiers dont on a parlé. D'accord? Donc là, quand je vais cliquer sur l'onglet « Finances », vous allez voir, c'est assez sympa. On va tout de suite arriver sur une analyse financière sur laquelle, en fait, le client va pouvoir se projeter. À gauche, ici, vous avez des hypothèses qui sont liées au projet de l'acquéreur. Et à droite, vous avez trois tableaux. Le budget total que vous voyez ici, les revenus locatifs mensuels que vous voyez ici avec le fameux rendement dont on a parlé et le fameux effort d'épargne, la trésorerie mensuelle dont on a parlé. Et vous avez également ici le potentiel de revente avec tout simplement le RCI. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, à quoi ça sert tout ça? Tout ça, c'est pour éviter que l'acquéreur qui ne s'y connaît pas prenne peur, ne fasse pas son fameux tableau Excel, et donc on lui a tout mis à disposition. Exemple, demain je veux me projeter dans ce projet, je vois que de façon standard il y a un apport à 26 780 euros qui est conseillé. Moi par exemple j'ai envie de mettre 30 000 euros, donc je vais mettre 30 000 euros et vous allez voir, il va y avoir un impact direct sur la trésorerie mensuelle qui va changer. Donc hop, quand je clique, on est passé de moins 130 à moins 111, mais aussi mon RCI. Donc souvenez-vous, on était à 8,5 et là on est passé à 8,3. Donc en fait, plus je vais mettre d'apport, plus je vais réduire mon besoin d'épargne mensuelle, mais plus je vais réduire aussi ma rentabilité sur les capitaux investis. Donc c'est pour ça que c'est un juste milieu à trouver. De la même façon, je vais augmenter, allonger ma durée d'emprunt, je vais passer sur 25 ans au lieu de 20 ans. Qu'est-ce qu'on voit? On a considérablement augmenté notre RCI parce qu'on a allongé notre durée d'emprunt et en plus de ça, on a également considérablement réduit le besoin en effort d'épargne et on est même passé en positif. Et donc en fait, grâce à ça, l'investisseur va pouvoir prioriser quels sont les éléments importants. Typiquement, quand on va regarder le fait de faire une négociation sur un bien, si je vais passer par exemple à 100 000 au lieu de 104 000, ce qu'on voit c'est que l'impact il est relativement mineur par rapport au fait de rallonger sa durée d'emprunt. On a gagné à peu près 15 euros d'effort d'épargne mensuel, un dixième de rentabilité, deux dixièmes de RCI, alors qu'on avait bien plus optimisé notre RCI et notre effort d'épargne avec une durée d'emprunt plus longue. Donc tout ça, ça va permettre de discuter avec les acquéreurs des éléments les plus importants pour eux, de pouvoir les mettre face à des décisions qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides à prendre. Donc ça, je ne sais pas si c'est plus clair, mais on va revenir du coup à la présentation. Oui, sur... ce sujet, encore une fois, de vente sous-exploitée, de ces ventes non intermédiaires sous-exploitées, je crois qu'on en est là. C'est ça. Il me semble qu'on en est là. Et vous avez vu là, en deux, trois indicateurs, qu'on pourrait revoir tranquillement,
Voyez le genre d'échange que vous pouvez avoir avec vos clients qui, pour certains, n'utilisant pas le levier de l'investissement locatif, commencent à vous faire passer, en gros, en expertise ou en différenciation commerciale vis-à-vis de vos concurrents, confrères ou particuliers qui, évidemment, ne vont pas maîtriser ces sujets-là. Donc oui, ce manque à gagner, entre guillemets, de ces ventes non intermédiaires qui se font dans le locatif, pour que les professionnels de l'immobilier. Alors, pourquoi d'abord elles sont sous-exploitées? Est-ce qu'on peut refaire une petite liste là? On a parlé de C'est certains ça. sujets de friction tout à l'heure. Exactement. Donc, on l'a déjà bien évoqué. Il y a énormément de sujets qui font que c'est sous-exploité. On l'a dit, déjà comprendre l'objectif du client et maîtriser les différentes stratégies d'investissement, c'est très compliqué. Il y a autant de bons investissements qu'il y a d'investisseurs. Et donc, il faut savoir, en fait, maîtriser ces sujets sur le bout des doigts pour parfois orienter des personnes qui elles-mêmes sont désorientées et savent pas trop vers quoi se tourner. Et donc ça, c'est très important de pouvoir maîtriser cette partie-là. Mais c'est pas la seule. On a parlé des indicateurs financiers qui peuvent être parfois compliqués à comprendre, à calculer, à vulgariser, aussi bien côté vendeur que côté acheteur. Et il y a aussi toute la partie, ça on en a moins parlé, astuces de financement, qu'est-ce qu'on va mettre en place d'un point de vue du financement du client pour optimiser sa rentabilité, parce que parfois c'est aussi ça la clé. On n'a pas parlé de la partie travaux, mais aujourd'hui c'est un véritable enjeu sur la partie travaux de pouvoir remettre des biens aux normes, à une certaine norme énergétique pour pouvoir les exploiter. Et donc ça, il y a aussi bien les vendeurs qui sont perdus là-dessus, parce que les personnes qui vendent des passoires sont passées par un dilemme de comment je fais pour remettre mon bien aux normes. Et bien souvent, ceux qui aboutissent à vendre leur bien, c'est aussi ceux qui ne savent pas comment remettre aux normes. Donc, au-delà d'avoir un potentiel d'acquisition sur la transaction, sur le fait de maîtriser ce sujet-là, ça peut aussi être un potentiel d'acquisition pour ceux qui ont un portefeuille de gestion, pour les ramener aussi vers leur gestion. Donc ça, c'est très important. Et il y a évidemment aussi la partie loyer à ne pas sous-estimer, parce que finalement, l'élément récurrent de la formule. Je ne sais pas si vous l'avez notifié, mais c'est le seul élément récurrent, et donc c'est celui qui va avoir le plus d'impact dans le rendement in fine. Comment tu peux nous expliquer encore davantage comment ça fonctionne, comment exploiter l'ensemble de ces opportunités avec vous comme allié, entre guillemets, avec Beanstock? Je pense qu'on doit en être là, Antoine. En tout cas, moi, je suis très curieux. C'est les promesses que j'ai faites de voir encore des exemples, encore des choses qui, si j'avais eu ça quand j'étais face à mes clients, qu'est-ce que j'aurais été heureux? Parce que j'aurais sorti ma casquette d'expert et j'aurais certainement sorti plus de ventes. Et en tout cas, c'est le moment, en tout cas, de partager ça et de Complètement, regarder. complètement. Vas-y. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Comme on l'a vu, il y a plus de 450 millions d'euros à aller chercher pour les professionnels de l'immobilier. Et peut-être, je pense, ça peut être important, avant de parler de comment on va accompagner tout le monde, de reparler de chiffres, parce que là, on a quand même beaucoup parlé, de dire aussi, en fait, qui est Beanstock d'un point de vue Oui. plus humain, peut-être avant. Beanstock, c'est avant tout une équipe, une belle équipe dans laquelle qui s'est créée par Emma et Alexandre, que vous voyez peut-être assis sur le banc au centre sur la photo, qui ont une belle histoire tous les deux, puisque en fait c'est en réalisant leurs premiers investissements qu'ils se sont rendus compte de leur côté qu'ils se faisaient de plus en plus solliciter par ces personnes qui ont le profil que je vous ai décrit en début de conférence, ces personnes qui manquent d'expertise, qui manquent de temps, qui ont peur, mais qui ont envie de se lancer. Et donc ces personnes qui étaient leurs amis et qui leur ont demandé, comment je fais pour investir? Et c'est à partir de là, en aidant un ami, puis deux, puis cinq, puis dix, que cette entreprise s'est créée. Et c'est aussi dans ce constat-là qu'on s'est rejoint avec Emma et Alex quand moi j'ai rejoint l'aventure également il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et depuis ce moment-là, beaucoup de chemin
a été parcouru. Donc ça, on va pas tout redescendre. On vous l'a mis là pour que vous l'ayez quand vous recevrez la présentation. Globalement, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est tout simplement que c'est plus de 1000 projets d'investissement sur les 3 dernières années qui ont été réalisés, gérés par nos équipes et sur lesquels on a accompagné des personnes qui souhaitaient investir dans l'immobilier, qui ont réalisé ce souhait-là, qui l'ont parfois renouvelé et qui ont même aussi parfois recommandé à d'autres personnes. Mais donc du coup, concrètement, maintenant, comment on avance? Parce que je pense que la question… Je veux voir maintenant, voilà, je veux voir. La question qu'on se pose maintenant, c'est ça. Ok, c'est bien, c'est beau, il y a plein de choses, mais comment on fait pour… Comment ça marche? Pour bénéficier. Ouais, c'est ça. Alors, c'est très simple. La première chose, c'est que Beanstalk vous met à disposition Beanstalk Pro. Beanstalk Pro, c'est le premier outil du marché qui vous permet d'estimer un bien à travers le prisme d'un investisseur. C'est-à-dire que, en fait, vous vous souvenez de la formule de rentabilité, grâce au résultat du rendement potentiel qui va être attendu sur un secteur en fonction de la typologie d'un bien, eh bien, on va vous donner un prix. En plus de ça, ce qui est magique, c'est que cette application, elle est reliée à notre base acquéreur. Donc ça, on le verra après. Et du coup, ça va vous dire instantanément le nombre d'acquéreurs qui peuvent être intéressés par un bien en fonction de son budget, de son secteur et de sa rentabilité. Donc, pour que ce soit peut-être plus concret… Là, tu as dit énormément de choses. Deuxième démo. Alors, deuxième démo, mais juste avant, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais moi, en tout cas, ça m'intéresse et ça intéresse notre audience. Est-ce qu'on est bien d'accord que pour démarrer avec ça, là, tu nous dis, OK, j'ai le premier outil du marché qui estime un bien à travers le prix d'un investisseur. C'est ça. Donc, moi, je suis de l'autre côté, là, de l'écran, et je me dis, bah, super, alors, ça marche comment, c'est où? Donc, je vais sur mon téléphone, je tape Beanstalk Pro, ou alors il faut d'abord que je rentre en contact avec vous, parce que tu dis qu'il y a un accès par agent. Est-ce qu'on est bien d'accord que il n'y a rien à payer? J'appelle vraiment un chat un chat. Moi, je mets les pieds dans le plat, Antoine. Est-ce que ça veut bien dire que j'ai droit à cet outil? Que ça me calcule tout ça, donc ça me fait monter en expertise, que ça ne me coûte rien et que ça me met en relation en plus, ça va me croiser si je mets à disposition mes biens et ceux que j'ai envie et quand j'ai envie. Ça va bien me les mettre en correspondance avec un flux d'acquéreurs que vous avez, vous. Est-ce que ça veut bien dire tout ça? Exactement. Okay. Exactement. Et donc… alors, je sais pas, je vais spoiler la petite surprise de la fin, mais ou pas d'ailleurs. Bon, on va pas la spoiler. On est rentré en contact et moi je veux déjà utiliser ça. Alors, comment ça marche? Eh ben, tout simplement, d'abord il faut que tu rentres en contact avec nous et à ce moment-là, nous on te crée les accès. D'accord. Et quand on te crée tes accès, derrière on va pouvoir venir te former. Toi, potentiellement, tes équipes, les agents qui utiliseront finalement l'application au sein de l'agence. Et puis, à ce moment-là, les agents seront autonomes. Il y aura un interlocuteur avec eux qui pourra éventuellement les accompagner pour les aider aussi au départ. Et en fait, après, avec l'application, ils ont instantanément les réponses à leurs questions au sein de l'application. Mais peut-être le mieux, c'est de montrer à quoi ça ressemble. Ouais. Comme ça, on y va. C'est que nous, c'est ce qui nous a plu. Et les témoignages clients qu'on a reçus de Beanstalk avant d'être heureux d'ailleurs d'être votre partenaire, c'est le côté simulation concret, c'est ça. Facilité d'accès. Exactement. Et bien là, on est où? On est dans le back-office Beanstalk Pro. Donc ça, c'est ce qu'utilise un agent avant d'arriver au résultat qu'on a vu tout à l'heure d'un bien qui est diffusé sur la plateforme. D'accord ? Donc, on va reprendre l'exemple du bien qu'on a vu à Lille tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur ce bouton ici, nouvelle simulation, nouvelle estimation. D'accord ? Et là, on va reprendre le trajet qu'a fait le bien avant d'arriver sur la plateforme. Donc, c'est très simple. On était au 5 rue Kuhlmann à Lille. Donc ça, c'est ce qu'a fait l'agent au départ. Le bien était en copropriété, bien évidemment. On était de mémoire, je pense, sur à peu près 30 mètres carrés, sans espace extérieur, en grand studio, au premier étage. D'accord ? Donc on va remplir avant 46. Il n'y avait rien de tout ça, si ce n'est
un local ou une cave, et le bien était vendu libre avec un DPEF et une rénovation légère. Ensuite, j'ai vu tout à l'heure la question passer dans le chat, comment on fait pour estimer un loyer? Pas de panique, vous cliquez sur un bouton et Beanstalk l'estime pour vous. D'accord? Donc là, vous avez une estimation automatique du loyer par rapport au secteur, la typologie et les informations que vous avez rentrées. Et ensuite, on va indiquer le prix. Donc, on va dire que sur un bien comme ça, moi, je souhaite, mon vendeur en veut de base 135 000. J'ai 10 000 euros de commission. Donc, on est sur un prix FAI à 145 000. Et puis, on va indiquer les charges. Donc, arbitrairement, on va mettre 60 euros de charges par mois et une foncière à 500 euros par an. Et à la suite de ça, on va indiquer est-ce que je le fais parce que c'est un mandat que j'ai déjà en stock ou est-ce que je le fais pour estimer la valeur d'un bien, c'est-à-dire dans le cadre soit de ma pige, soit dans le cadre de mon réseau quand j'ai quelqu'un qui vient qui me propose une opportunité. Donc là, en l'occurrence, sur ce bien-là, le mandat a été pris grâce à Beanstalk Pro aussi. Donc on va le mettre de cette façon-là. Et vous pouvez à ce moment-là rajouter des informations qui sont facultatives en plus, soit des photos ou autres. On arrive sur cet écran de résultats. Qu'est-ce qui nous dit cet écran? La première chose qui nous indique, c'est que en fait, la rentabilité cible, notre boussole, elle est à 4,4%. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie d'optimiser mes chances de vendre un bien sur ce secteur-là, il faut que je puisse avoir un rendement qui soit au minimum de 4,4%. Nous, on est actuellement à 4,2 sur ce qu'on a simulé. D'accord? Donc, on en est proche. D'ailleurs, c'est ce que vous indique le résultat. On est en orange. Et ce qu'il nous dit, c'est que à partir de 4,4%, actuellement en base, j'ai 44 investisseurs potentiel sur ce secteur avec un budget qui va jusqu'à 200 000 euros et qui peuvent être intéressés pour investir. Et donc là, la magie, c'est quoi? C'est que on va pouvoir si on est par exemple en rendez-vous d'estimation avec son vendeur, sur l'application, jouer rapidement avec ça et voir le résultat et l'impact en direct sur la rentabilité nette. Donc, vous vous souvenez, on est parti de 145 000 FAI. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que à 138 000 FAI, tout de suite, vis-à-vis de la boussole, on va passer dans le vert. Et donc, ça va nous permettre, finalement, d'affiner aussi cette estimation-là et de pouvoir, à ce moment-là, se dire, OK, sur ce prix-là, eh bien, qui est le calcul que va faire l'investisseur au moment de sa décision d'achat, là, je vais pouvoir être parmi les meilleures opportunités d'investissement du marché, susciter l'intérêt de clients investisseurs, dont d'ailleurs Beanstalk en a déjà une partie en base et qui va pouvoir aussi m'aider sur la partie sortie. C'est plus clair là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses alors? Non, d'abord l'outil, il est très clair, il est valorisant, explicatif, hein, tout ce qu'on veut. Et ensuite, c'est toujours d'en rentrer dans, toi, là, on est sur quelque chose à Lille et on est sur 4-2, 4-1. Si on est sur une, tu m'arrêtes, Antoine, mais Bien si on sûr. est sur une foncière classique avec des marchands qui achètent vraiment de la rentabilité, etc., etc., bien sûr que 0,2, 0,3, 0,4 pourrait jouer. On peut être aussi sur un investisseur classique de quelqu'un qui fait un achat ou deux, qui achète un studio avec, je sais pas, comme projet, oui, de le revendre à 15-20 ans, mais peut-être de loger un de ses enfants sur les 5 ou 6 années d'études qui arrivent. Si c'est un emplacement qui est assez recherché dans un bien qui est relativement rare, est-ce qu'il y aura une importance à ce que ça soit 4,2 ou 4,1, tu vois, ça peut faire fi de ça, non? Alors complètement, Là, on est sur un enfin, calcul financier pur, là, hein. t'as complètement raison. Là, ce qu'on n'a pas mentionné, par exemple, c'est que sur le secteur où on est précisément à Lille, c'est sur le secteur Oisem. Donc, je ne sais pas s'il y a des Lillois dans l'audience, mais par exemple, sur ce secteur-là, c'est un secteur qui est plus connu pour la partie investissement, pour avoir un côté un peu plus dynamique que d'autres parties de l'île intramuros.
Si demain on a effectivement une typologie d'investisseurs qui va avoir des facteurs de décision plus émotionnels dans sa décision d'achat, eh bien on va pouvoir le réorienter vers d'autres secteurs comme le Vieux-Lille, Lille-Centre, où là de facto les rentabilités sont peut-être moins importantes. Et donc, on va être dans une stratégie plus patrimoniale. Et c'est aussi là-dessus qu'on va s'adapter. Pour autant, même si la boussole va indiquer une rentabilité plus basse sur un autre secteur, il y aura quand même cette notion de boussole et on ne peut pas faire n'importe quoi non plus par rapport au pricing et à la rentabilité des projets qui sont attendus pour une rentabilité, une stratégie, pardon, patrimoniale en elle-même. Très clair. Tu parlais de nos investisseurs qui sont motivés financiers, il y en a 44. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur Beanstalk, sur d'où ils arrivent, sa diffusion, comment ça fonctionne? Bien sûr. Je pense que là, on a répondu mine de rien à deux, trois questions qui étaient aussi sur, on les prendra à la fin toutes les questions, hein, qui étaient aussi sur c'est quoi un bon investissement? Ben, ça dépend tellement, un, du projet, deux, de l'investisseur, trois, est-ce que je fais du patrimonial? Donc, on a vu l'exemple avec Antoine sur « Je suis dans le Vieux-Lille », donc un prix plutôt élevé, une rentabilité plutôt faible, mais un investissement patrimonial, okay, avec une revente aussi qui sera certainement plus importante. Et puis, je veux de l'investissement avec de la rentabilité plus immédiate, entre guillemets, ou plus dans les standards, et auquel cas, je vais proche de cette rue qui est à côté du marché de Bazem, je crois. C'est ça. Avec une rentabilité plus immédiate, entre guillemets, et une stratégie un peu moins patrimoniale. Alors, comment ça se diffuse? Où sont les biens? Comment ça marche? C'est ça. Fais-nous rêver comme tu as fait rêver d'abord les clients qu'on a rencontrés avec toi, qui sont aussi nos clients souvent. Mais est-ce que tu peux encore, à l'issue de cette démonstration, regarder, puis on va prendre les questions. Hein. Avec plaisir. Question avant ou… Quelqu'un nous dit, Véronique, je prends dans… Alors, attends, parce que je les prends là, mais je peux les prendre là. C'est comment se rémunérer Beanstalk? Très bonne question, il faut la clarifier tout de suite. Vous allez voir, c'est très clair. Et cela veut dire qu'on donne accès aux acquéreurs et pas seulement une aide à la simulation. Là, on va répondre un peu après, mais peut-être en un, allons-y sur comment Beanstalk se rémunère. Moi, je pense qu'on va démarrer par celle-là. C'est très simple. Alors, du coup, c'est l'objet en plus de la suite de la présentation. Donc, comme ça me permet de faire une pierre deux coups. Globalement, il y a une plateforme, d'accord, qui s'appelle Beanstalk, sur laquelle sont diffusés des projets d'investissement. Sur cette plateforme-là, les potentiels acquéreurs viennent s'inscrire, d'accord ? Ils sont préqualifiés et derrière, Beanstalk va les accompagner, donc avant la transaction, pendant la transaction et après la transaction. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout l'accompagnement Beanstalk. Avant la transaction, on va les accompagner dans la définition de leur projet, de leur stratégie d'investissement, sur quelle fiscalité on va opter par rapport à leur situation. Et une fois qu'on a défini tout ça, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un matching entre le projet de l'acquéreur et les projets qui nous sont transmis et qui ont été sélectionnés auprès de nos partenaires professionnels de l'immobilier, d'accord, via justement l'application Beanstalk Pro. À ce moment-là, quand on va rentrer dans le processus de transaction, il y a tout un accompagnement pour l'acquéreur qui est lié au niveau de la recherche du financement, puisque Beanstalk est oriacé, donc au même titre qu'un courtier, ce qui nous permet, comme tu le disais, de dire qu'un client va être solvable ou non. Et en parallèle, on va pouvoir faire également toute la conception architecturale pour respecter toutes les normes énergétiques, toutes les normes réglementaires, mais aussi pour pouvoir optimiser la tension locative du bien et la future liquidité à la revente via la partie esthétique de l'appartement. Parfois aussi, on va aussi sur la partie fiscalité, du coup ajouter de l'ameublement pour se conforter et se conformer au cadre de la location meublée non professionnelle quand ça va être le souhait du client. Et à la fin de cette transaction, une fois que tout a été validé, on a signé compromis, acte authentique, etc., on s'occupe de la gestion des travaux et du suivi de chantier pour le client et on s'occupe du coup de mettre le bien en location et de le gérer pendant 3 mois. Tout ça s'accompagne de garanties de remise aux normes énergétiques. Donc aujourd'hui, on va garantir à certains
seuil énergétique pour permettre à l'acquéreur d'avoir l'assurance qu'il pourra exploiter son bien. On va lui garantir un budget travaux en amont de la transaction, on lui garantit des délais et on va lui garantir aussi une vacance locative. Donc, on va lui garantir que le loyer qu'on indique sur l'annonce est le loyer auquel on va louer le bien à l'issue des travaux. D'accord ? Et en fait, c'est là-dessus sur ce sur quoi on se rémunère. D'accord ? Pour répondre à la question, c'est que c'est tous ces services-là sur lesquels Billstock va se rémunérer auprès de son acquéreur à hauteur de 9,6% du montant du projet, et ce qui permet derrière de pouvoir proposer des services aux professionnels de l'immobilier de façon gratuite pour les aider dans leur développement. Ok, bah, si c'est clair et qu'il n'y a pas plus de questions là-dessus, pour nous c'était clair évidemment, mais c'est très important. Mais quand on va dans les suivis de travaux, nous on avait été aussi vraiment bluffés parce que vous étiez les premiers en tout cas à dire si mon bien est F ou G, non seulement on va faire le devis, le suivi de travaux, mais on va garantir au client que ça puisse passer si c'est le cas et si c'est possible dans une lettre D avec une sorte de certification entre guillemets, en tout cas une garantie. Si je ne dis pas de bêtises, Antoine, en tout cas, c'est assez bluffant. Est-ce que je suis obligé? Alors, donc, l'agent immobilier conserve ses honoraires. L'expérience pour le client, est-ce qu'il est obligé de prendre… on voit bien qu'il y a du avant, pendant, après. Hein. Ouais. Avant, information, accompagnement sur la meilleure façon de gérer ou d'investir son patrimoine, la recherche, bien sûr. Le financement, là, on comprend très bien qu'il y a une rémunération qui se fait sur le financement. Quand on parle ensuite de travaux et de gestion locative, imaginons qu'on ait… pas de travaux et qu'on ne souhaite pas faire la gestion locative. Est-ce que c'est possible ou pas? En fait, Billstock a une vocation de conseiller l'investisseur tout au long de sa transaction. Okay. Évidemment que l'investisseur est décisionnaire à chaque étape. Pour autant, pour un souci de lisibilité de l'offre, l'offre reste la même. C'est-à-dire que ce n'est pas à la carte. On paye en tant qu'investisseur pour l'ensemble du package. Okay. Qu'on ait envie d'avoir recours à un service ou pas, eh bien à ce moment-là, on le fait ou pas. Ok, on va regarder, on va prendre toutes les questions là, puisqu'on arrive sur le dernier quart d'heure ou les dernières 10 minutes. On a vu un certain nombre de grandes familles de questions que vous pourrez prolonger d'ailleurs. Vous verrez qu'il y a un QR code qui vous permet de vous inscrire, de continuer à poser les questions, mais on aimerait en traiter quand même un maximum. Donc, est-ce que tu peux nous dire en résumé les 5 points qui sont là, puis… C'est prendre ça. Les familles de questions qu'on a pour qu'on essaye de contenter un maximum de… Exactement. Donc, en fait, demain, on travaille ensemble. Qu'est-ce qui se passe avant de rentrer votre mandat, avant de le signer via Billstock Pro, vous envoyez les caractéristiques du bien comme on l'a fait là en 30 secondes pour garantir, pour avoir le niveau de rentabilité. Vous avez une réponse d'éligibilité instantanément via l'application. Et là, à ce moment-là, si ça correspond aux critères, donc si c'est vert, on va pouvoir, nous, venir visiter le bien en 24 heures pour construire l'annonce sur la plateforme Billstock, faire des photos, des vidéos, visite virtuelle, estimer les travaux, projection architecturale. À ce moment-là, on diffuse pour pouvoir vendre le bien à nos acquéreurs et on va vous transmettre des offres avec le même niveau d'information que si c'était vous qui aviez trouvé l'acquéreur. Donc, vous avez l'offre, les détails, les éventuels CS, etc., une pièce d'identité, une attestation de solvabilité, mais aussi vous savez en fait quelle est la situation de l'acquéreur. À ce moment-là, on part dans un processus de transact classique, à la différence près que pendant la transaction, vous vous occupez du vendeur, Billstock s'occupe de l'acquéreur. Donc, quand l'acquéreur se lève le matin, qu'il a froid aux cheveux, qu'il a mal au nombril, c'est Billstock qui va gérer et vous, ça vous fait gagner du temps. Parfait. On prend les grandes familles de questions. Alors, il faut qu'on soit vraiment sur des réponses rapides et après, on pourra prolonger avec le mail d'Antoine, avec tout ça. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Y a-t-il une méthode pour évaluer un prix dans 30 ou 40 ans? Première question. Pas de méthode. OK. Est-ce que votre simulateur Billstock couvre bien la région Île-de-France? Pardon? Est-ce que ça couvre bien la région Île-de-France? Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'était Véronique. Vanessa, est-ce que l'outil fonctionne pour n'importe quelle ville? Pas n'importe quelle ville, non. Ah, tu peux préciser? Alors, effectivement, on travaille principalement dans les villes sur lesquelles la tension locative nous permet de garantir le loyer. Donc, l'idée, si tu te poses la question, je ne sais pas qui a posé la question, mais on peut prendre contact ensemble. Je t'invite à prendre rendez-vous via le QR code qu'on affichera tout à l'heure. C'était Véronique. Véronique, pour qu'on puisse voir ensemble si ça peut fonctionner chez toi. Quelle est la taille des biens qui intéressent les clients
de la database Beanstalk? Question d'Eric. Alors ça va dépendre des secteurs. Principalement, ça va être Studio T2 et parfois du T3. Il paraît que Beanstalk ne prend plus si l'appartement a un locataire en place. Vrai, faux, c'est vrai. Autre. C'est vrai. Peter, que se passe-t-il après les 3 mois de gestion locative de la part de Beanstalk? Alors ça, c'est l'investisseur qui décide. Soit il gère lui-même, soit il continue avec Beanstalk, soit il va voir un autre professionnel de l'immobilier. Question des rats Argenteuil, qui passe à l'action puisqu'il demande le mail d'Antoine. Donc parfait, vous allez voir qu'il y a un QR code ici. D'abord, on peut se revoir peut-être, ou alors on le laisse dans la présentation si on a un peu court, mais on a un très bel exemple qu'on peut repasser. Alors je ne sais plus si j'appuie comme ça, ou s'il y a une manip. Génial. Donc, je m'appelle Grégory, j'ai 47 ans, marié depuis 23 ans, 3 enfants. Alors, mon plus beau coup, c'est pas une vente, en fait, c'est 4 ventes faites avec Beanstalk. J'ai, grâce à Beanstalk, récupéré un client sur Marseille qui a à peu près 10 millions d'euros de patrimoine immobilier sur Marseille. Cette personne-là, j'ai eu son assistant au téléphone à l'époque et je lui ai expliqué ma stratégie de vente, c'est-à-dire que ben, je me différencie un petit peu des autres, c'est-à-dire que je ne travaille pas tout seul mais je travaille avec vous, avec Beanstalk, et j'ai été le rencontrer à Marseille un après-midi. On a testé la solution en fait, que je lui proposais pendant 10 jours sur 4 mandats. Qui était à peu près dans la même rue. Donc j'ai vu les 4 appartements en même temps et en fait on a vendu les 4 appartements je crois en une semaine, on avait sorti les 4 offres. Du coup c'est devenu mon client. La partie Beanstalk Pro, c'est ce qui me permet de simuler le bien du client quand je l'ai en ligne et de voir à quel prix il faut que je puisse l'avoir pour qu'il y ait une chance qu'il soit sorti. Ce qui me permet de faire une estimation assez rapide du bien aujourd'hui et d'essayer de vous amener le bien avec le meilleur taux de rentabilité possible. J'utilise pas les outils standards pour faire une estimation de studio, de T2 ou de T3 selon les villes. J'utilise uniquement Beanstalk Pro pour simuler le prix auquel faut que je récupère le mandat. Ce qui me permet assez rapidement en me disant le loyer il est estimé correctement, si je baisse de 5 000, je suis à 4-5, c'est ce qui est recherché dans le secteur. Du coup je dis à mon client qu'à ce prix là je peux le faire. Si je suis à 3, je sais d'office que je vais avoir un problème de prix, que ce soit avec Beanstalk ou que ce soit sans Beanstalk. En fait il y a aussi une vraie corrélation entre ce que vous faites vous au niveau de l'estimation et la réalité, c'est à dire que aujourd'hui, si je le vends pas avec vous, j'ai très peu de chances de le vendre moi. Je sais pas, 140, 150. Ah, 80%. Quarantaine. 24 heures. Entre la prise de mandat et l'offre. Bah, l'efficacité au niveau de la sortie, de pas avoir géré l'acquéreur, donc ça c'est aussi un point très important, donc ça te fait gagner énormément de temps. L'estimation aussi, tout est axé sur l'efficacité en fait, et le gain de temps me permet d'être hyper efficace en termes de timing. Si le produit est bon, 48 heures, l'offre elle est là. Donc après c'est notre boulot en tant qu'agent, c'est de se positionner par rapport à ça et essayer de ramener le meilleur bien quoi. Parfait, le mieux évidemment c'est vos confrères qui en parlent, donc on voulait au moins un minima avoir un témoignage. Le mieux maintenant c'est de regarder, alors il y a une question de Peter encore quand même, est-ce que les annonces sur Beanstalk sont diffusées sur les portails du groupe Se Loger? Est-ce que tu veux répondre Antoine? Oui bien sûr, alors ça rentre dans le cadre d'une stratégie commerciale que vous mettez en place au sein de l'agence. Quand vous parlez d'un investissement immobilier,
C'est intéressant aussi de le mettre en valeur au sein d'une clientèle qui est dédiée à de l'investissement immobilier. Et c'est pour ça qu'en général, on va conseiller d'intégrer BeanStock dans votre processus de diffusion en amont, avec quelques jours au départ pour pouvoir tester le marché sur une cible qui est dédiée à l'investissement immobilier. Et si ça n'a pas été vendu, par la suite de diffuser au plus grand nombre et à une audience très large qu'on peut avoir sur ce loger. Profitez-en pour scanner le QR code que vous aurez dans la présentation là pour prendre rendez-vous avec Antoine et ses équipes pour aller un peu plus loin dans l'explication. Vous imaginez bien qu'en 40 minutes, si on arrivait à sortir 25% de ventes pour tout le monde, ça serait merveilleux. Donc forcément, c'est quelque chose qui va demander à être relu pour certains, à être approfondi. Donc prenez contact, en tout cas. Je laisse le QR code ici, mais il doit être de toute manière dans la suite du programme. Nous, le partenariat qu'on a avec Beanstock, c'est qu'aussi, évidemment, vous le verrez, si vous tapez édito se loger Beanstock, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mots-clés ou de sujets qui tournent avec l'investisseur dans lequel Beanstock a une page complète et qui amène les gens qui se posent des questions sur aussi leur site. Donc, ce qui amène un flux, encore une fois, différenciant de clients. Vous nous connaissez pour évidemment notre captation de mandat, notre visibilité et la captation de nos acheteurs. Donc, ça. Si vous avez besoin de nous appeler, nous, ben vous nous connaissez, bien sûr. Et deux choses à vous dire, je remettrai peut-être le QR code à la fin, mais deux choses à vous dire. La première, c'est dans ce qui se fait comme nouveau levier de business aujourd'hui, chaque mois en tout cas, on vous présente une opportunité. Là, on était sur le levier avec l'investissement locatif. Il y a un outil qu'on a pris un peu de temps là à étudier en regardant quels étaient les acteurs importants qui nous permettaient de faire quelque chose avec ChatGPT et les intelligences artificielles. Et on a trouvé notre intervenant qui est évidemment Mister IA avec Martin Pavanello. C'est le 23 avril à 14h, donc vous pouvez vous inscrire. Il va y avoir un QR code ou un lien, mais en tout cas, gardez ça, où il arrivera dans vos boîtes mail. Et là, vous verrez qu'on fera du avant, pendant, après sur le vendeur et sur l'acheteur, des cas d'usage très concrets sur comment ChatGPT m'aide dans mon métier de tous les jours, en gros. Et puis, si vous avez besoin d'informations, ben, on est là. Je regarde jusqu'à, évidemment, vous avez tous nos podcasts et nos vidéos passées sur notre chaîne YouTube Se Loger. Et je vais remettre quand même à l'écran le QR code. Et je pensais qu'on offrait un audit, mais en fait, l'audit, c'est les 10 premiers, quoi, hein. Les 10 premiers, on peut leur scanner tout leur code, tout leur stock et regarder quels sont les meilleurs investissements locatifs. En tout Exactement. cas, je vais vous laisser faire. Le plus important, c'est prenez rendez-vous avec Beanstock maintenant pour aller un peu plus loin. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, il y a encore plein de questions et plein de gens qui demandent le mail d'Antoine. Alors, je ne sais pas si c'est le mail de Beanstock d'Antoine ou d'Antoine lui-même. En tout cas, nous, on vous fournira un mail professionnel uniquement et on vous encourage évidemment. Bénédicte, d'ailleurs, Bénédicte que je vois dans le 77, bonjour Bénédicte. Eh bien, sache que Grégory fait partie de la même compagnie que toi, c'est-à-dire Keller Williams. Donc, tu peux l'appeler aussi pour regarder comment il fait toutes ses ventes et tout ce chiffre d'affaires qui est évidemment vérifié par nous. En amont. Moi, il me reste à vous saluer, à vous dire à la prochaine sur ChatGPT et notamment les bons prompts pour gagner du temps. Et puis, rendez-vous avec Beanstock, tenez-nous informés, faites-nous des petits messages et tout ça. Et puis, à remercier Antoine qui va conclure et que vous allez pouvoir continuer à joindre surtout. C'est ça. Merci Alain. Merci à toutes, à tous pour votre présence. C'était encore fabuleux de pouvoir vous parler. Hâte de vous retrouver en rendez-vous. Donc, scannez le code. Effectivement, il y a un audit de votre stock pour voir si il y a des acquéreurs déjà qui peuvent sortir vos biens qui dorment pour le moment. Et puis, à très vite. Merci à toutes et à tous. Remplissez bien le questionnaire pour nous aider à construire le prochain et regardez ce que vous avez apprécié là. Et on a tenu notre parole, on a apporté un maximum de valeur, on vous apporte des acquéreurs sans frais d'honoraires supplémentaires et avec une lecture différente de votre stock. À très bientôt à tous.